Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle session de pêche à l'aimant. Je viens d'acheter quelques boissons ainsi qu'une saucisse kermesse, une délicieuse saucisse kermesse. Je vais rejoindre deux amis que j'ai convaincus d'acheter un aimant et on va voir ce que la Sambre nous réserve aujourd'hui. Bonjour les chats! Ça va les gars? Qu'est-ce que tu penses de cette pêche à l'aimant? Je suis un peu déçu, le spot était pas très intéressant, pas trouvé grand chose. Et des clous, hein, par des clous, la ferraille, le boulon. Voilà. Mais le cadre est beau. C'est dommage. C'est vrai que le cadre est beau. Qu'est-ce que vous pensez de cette pêche à l'aimant? Il n'y a rien. C'est un contre-jour. Il n'y a rien. Ah, y a... Des canettes. Des clous. Alors, on a eu des clous. Des clous de et... Ouais. Il y a beaucoup de clous dans la Sambre ici. Première étape, mettre les gants. Deuxième étape, desserre les nœuds. Ah, vous avez quelque chose. Un petit canard. Troisième étape, ne pas tomber à l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah ça va aller. Il faudrait prendre une corde en tineux. Il y a bien des câbles de guitare en tineux. Ah oui. Moi je l'attache à ma ceinture. C'est une, pour attacher. C'est une manière de faire. Ouais, tout coupé, on va la refaire. Pas le lancer trop fort. Hein. Oui. Que ta jambe parte avec. Et quatrième étape, le lancer. Étape, c'est complètement foiré, il y a même plus de branche. On va recommencer. Ah non, c'est bien. Alors, étape finale. Alors, étape finale, quelque chose, c'est brocouille, mon total. Ah, merde. 8, 9. Il y a bien 8, 9 kilos là-dedans. Je sais pas. Ah, quand même, ouais. Un dinosaure. Attends. Dis-moi quand tu vas commencer à raquer, je vais tourner. Ah merde. Le truc c'est qu'on va pas avoir beaucoup de marge. Elle est dans le mauvais sens pour raquer. C'est toi qui es dans le mauvais sens. Bah le racagnac. Et la béquille va toujours. Salut, tiens. Ouais, regarde. Ah ben ouais. La béquille va toujours. Putain, quelle galère. Eh ben. Putain, excellent. Qu'est-ce qu'on va en foutre quoi? Voilà, maintenant, c'est imposant quoi, on sait pas apporter comme ça quoi. Non. Quand on ramasse plein de petits déchets, on ramène ça dans des seaux, dans des sacs. Mais ça. Il faut venir une remorque de maille. Ah non, c'est la commune de s'en charger. Hein. Et après, la remorque, et après, vous allez aller jeter ça où? Bah c'est ça. Le parc à conteneurs. Et quoi l'arme? Bah c'est ça où on la met dedans. C'est un centre de tri. Hein. Fameuse moto, hein. Mais c'est pas première. Oui, ici. Ici, il me dit c'est pas la première. Non, je pense pas. En tout cas, sur internet, on en voit des gens qui remontent des motos, des vélos, de tout quoi. Je comprends pas l'être humain, toutes les grimaces qu'il fait et que. Enfin, nous, qu'on aille n'importe où, c'est des
crasse partout. Bon, mais c'est peut-être des jeunes qui ont jeté ça à l'eau aussi. Des jeunes ou des moins jeunes, que ça soit n'importe qui, franchement, c'est choquant. C'est choquant parce que je dois se demander où ça va s'arrêter. C'est le tien, c'est le sac. Et quoi, vous avez un aimant là au bout? Oui, si, si, on a des aimants. Et après, vous prenez un crispin, c'est ça? Mais... ici, on a un peu galéré, c'est vrai qu'on a, on a travaillé avec la sangle. Oh, il est le mien. On a vraiment commencé. Non, mais en fait, j'ai vraiment... Bon, voilà, on a sorti ça de l'eau. Une moto. C'était dur. C'était pas une mince affaire. On a bien galéré. Mais en tout cas, ce que nous allons retenir... On avait cassé une corde. Pour une chambre propre. On a cassé une corde. On a failli perdre un aimant. On a un piéton qui nous a aidés. Et voilà, on va appeler la commune pour leur dire qu'il y a ça là. Mais on nous a fait comprendre que la commune ne ferait rien. Bah, on va quand même envoyer une photo. On va quand même envoyer une photo et donner un coup de fil pour dire qu'ils viennent chercher ça. Parce que de toute façon, nous, on ne saurait pas reprendre ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.